Bonjour, merci d'être encore avec nous pour cette nouvelle vidéo. On va vous parler du rôle du notaire en Espagne par rapport à nos chers pays francophones comme la France ou la Belgique. C'est parti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le rôle du notaire en Espagne, eh bien, il est très limité par rapport au rôle du notaire que nous connaissons. Pourquoi ? Parce que les obligations légales du notaire ne sont pas les mêmes. C'est pour ça qu'aussi, le notaire coûte moins cher. Un notaire, ça va vous coûter environ 1% du prix du bien avec un minimum de 1 500 €. Ça inclut les frais de gestion et administratifs. Comment faire alors si je ne suis pas suffisamment protégé comme dans mon pays ? Comment est-ce que je vais pouvoir acheter en sécurité ? Alors la première solution, évidemment, c'est de faire appel à J'achète en Espagne. Et ça, vous le saviez déjà, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. La deuxième solution, et c'est une solution que nous offrons dans notre package de services, c'est inclus dans nos honoraires, c'est de faire appel à un avocat qui va s'occuper de faire toutes les vérifications juridiques, vous livrer un avis juridique favorable ou défavorable et vous assurer que vous achetez en toute tranquillité. Il y a énormément de choses à vérifier. Il faut s'assurer que le bien se vend libre de dette, libre de charge, libre de tout occupant, libre de vice caché, qu'on va bien avoir le diagnostic énergétique, qu'on va vérifier auprès du certificat d'enregistrement en mairie que tout est correct, qu'il n'y a pas d'embargo, qu'il n'y a pas d'hypothèque, qu'il ne s'agit pas d'une vivienda de protection officielle, un logement de protection officielle dont le prix de vente a été plafonné. Il y a tout un tas de choses à vérifier et l'avocat est la personne la plus en mesure de faire ces vérifications. Heureusement, nous l'incluons dans nos honoraires. Si vous avez un projet d'achat en Espagne, contactez-nous et on évaluera ensemble la faisabilité de votre projet de manière tout à fait gratuite. À très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.